Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette présentation d'introduction à la méthode SORA. La méthode SORA qui est le système d'analyse de risque spécialement dédié aux opérations de drones dans la catégorie spécifique de la nouvelle loi européenne. Un risque pour SORA, c'est la combinaison de la fréquence, c'est-à-dire la probabilité qu'un événement se déroule, la probabilité d'une occurrence et de son niveau de gravité. Et tout le principe de la méthode SORA est d'essayer de mitiger ces risques suivant ces deux angles. J'essaye de diminuer la probabilité que l'événement se déroule ou j'essaye de diminuer les conséquences que l'événement pourrait avoir s'il se déroule quand même. C'est-à-dire, je vais essayer d'éviter, par exemple, une panne moteur, mais si la panne moteur se déroule quand même, j'essaye d'en diminuer les conséquences. La méthode SORA est toujours jointe à un vol dans la catégorie spécifique. C'est-à-dire que pour voler en spécifique, il faut forcément répondre aux exigences qui sont nées d'une analyse de risque suivant la méthode SORA. Mais il y a deux façons d'y parvenir. Soit l'analyse de risque a été établie par les autorités compétentes. En Belgique, ce sera la DGTA. Et dans ce cas-là, elle crée un scénario standard, c'est-à-dire que c'est elle qui analyse les risques et qui donne les instructions, les moyens de sécurité à mettre en place pour répondre à ces risques. Soit si l'opérateur sort du cadre du scénario standard, soit parce que le risque n'est pas tout à fait le même, soit parce qu'il ne sait pas répondre de cette façon-là aux exigences prescrites, et bien à ce moment-là, l'opérateur va lui-même créer une étude SORA et la joindre à sa demande d'autorisation. Demande d'autorisation qui sera envoyée pour validation à la DGTA en Belgique, donc aux autorités compétentes du pays où doit se dérouler l'opération. Cette analyse de risque, elle va étudier l'ensemble des volumes d'opérations dans lesquels vont se dérouler le vol. Et donc on va analyser d'une part les risques au sol, d'autre part les risques aériens. Et ce, pour tous les volumes dans lesquels le drone est censé évoluer pendant l'analyse spécifique. Une fois qu'on a analysé ces risques, eh bien on se voit imposer un certain nombre de critères de sécurité auxquels il va falloir répondre avec plus ou moins de robustesse, c'est-à-dire pouvoir apporter des solutions efficaces et prouver que ces solutions sont efficaces. Toute cette méthode développée par Jarus et le JIA, ben c'est ce qu'on vous propose de découvrir au cours d'une formation d'une journée, dans laquelle on va évidemment vous présenter de façon structurée et détaillée la méthode SORA et puis les différentes procédures à mettre en place pour pouvoir réaliser une étude SORA avant de réaliser un exercice, un cas pratique. Vous verrez que la philosophie derrière SORA, c'est d'arriver à terme à l'intégration de drones autonomes dans la vie d'un aéroport civil. Ça veut dire permettre à des drones autonomes de décoller entre deux vols Ryanair sur un aéroport comme Charleroi. Vous imaginez que ce genre de risque est évidemment assez élevé et donc la méthode SORA est vraiment très robuste, permet d'imaginer beaucoup beaucoup de choses dans le futur. Mais avec cette robustesse vient aussi une structure et des procédures assez importantes. Et donc la journée de formation qu'on vous propose est vraiment utile pour bien découvrir tous les contours de cette loi et pouvoir appréhender plus facilement la bonne façon de soumettre une étude SORA à la DGTA. J'espère donc avoir le plaisir de vous retrouver bientôt dans une formation SORA donnée par Espace Drone. Et d'ici là, je vous souhaite évidemment de bons vols. À bientôt, merci.